the propaganda, the mass media propaganda. This is the worst problem that we have, because people are tend to believe it. And from what I think and analyze, the biggest problem that we have right now is not on the top, is not the prime minister or people from the World Health Organization the Economic Forum, all the bad guys. The problem is with the lower levels, what we call, and I'm sorry that I have to use that term, useful idiots. Miscommunication leading us into a place where their lives strive. Son état s'est aggravé jusqu'à ne plus pouvoir manger ou se déplacer. Il vient de passer 2 semaines en soins intensifs et est rentré chez lui il y a 3 jours seulement. Et malgré la propagande en faveur de Spoutnik, des doutes sur les effets secondaires persistent. Je suis jeune et nous ne savons pas les conséquences du vaccin à long terme. Peut-être que ça mènera à quelque chose de grave. Même chose dans les bars de nuit de Moscou. Malgré les risques de troisième vague, vaccinés ou pas, on s'y entasse sans masque. Des indicateurs qui s'améliorent. Pour que cela continue, le gouvernement compte sur la vaccination. 40 à 50% de la population vaccinée ou immunisée est déjà extrêmement efficace sur le ralentissement de la circulation du virus. Mais là, on est sur un niveau tellement élevé qu'on craint qu'on reparte de plus belle avec de nouvelles admissions, de nouvelles contaminations. Si le relâchement des mesures et des précautions est trop rapide, de nombreux spécialistes craignent une 4e vague en juin ou cet été. À noter également qu'une nouvelle fois, plusieurs fêtes clandestines ont eu lieu ce week-end. Une fête improvisée dans le parc de Bercy, à Paris, avec plus de 200 personnes. Après les Côtes d'Armor, c'est une free party en Bourgogne qui a entraîné une centaine de verbalisations la nuit dernière. Comme si le Covid n'existait pas. Vous vous rendez pas compte du mal que vous faites, vous séparez les populations, hein? La France, en général, on n'a pas besoin de personnes comme vous, on a tout pour être heureux ici. On a tout pour être bien en France, on a un beau pays, on a des cultures magnifiques, on est mélangés, c'est super. Arrêtons de trouver ce qui nous sépare, viens, on trouve ce qui nous rassemble. Amour sur vous, salam alaikum, shalom, bye bye, on est ensemble, la famille. Observation, education, inspiration, revolution. A new beginning.